Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, vous m'avez posé beaucoup de fois la question sur la puissance, comment augmenter rapidement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Si ce n'est pas encore fait, c'est simple, le lien est juste en bas, là, juste en bas de la fenêtre. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne. On y parle d'Infinite Galaxy et de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. C'est tout aussi simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Et en dessous, vous avez un lien pour télécharger le jeu sur Android, sur iOS, sur toutes les plateformes, avec les informations sur ma nébuleuse, la M1024. En parlant d'informations sur la M1024, on a des nouvelles arrivées. On a une vingtaine de nouveaux joueurs français qui nous ont rejoints et sur le Discord et dans l'Alliance, hein, les UF, dans la Fédération, puisqu'on est une fédération complète. Je vous montre, hein, une petite actualisation du classement des puissances de l'Alliance. Vous le voyez, on s'est juste fait passer là par Zéo, mais c'est temporaire. Hein, avec les, on a sorti des joueurs pour rentrer des nouveaux. Donc on va repasser devant notre ami de Zéo. On a UF2. Qui est toujours à 582 millions. On se rapproche, on devrait à ce rythme-là talonner très prochainement les BDK et les BSA. Je suis tant UF1 que UF2. Hein. On avance bien. UF5 reste derrière. UF2 et UF4 aussi continuent de monter. 187 millions, je ne les avais même pas vu remonter. Hein. UF3, 153 millions. Et UF5 plus loin derrière, puisque c'est les plus petits joueurs, hein, 85 millions. Tout cumulé, on est pas mal hein, quand même, on est bien. Et les pires restent en tête avec plus d'un milliard de puissance. J'attends toujours un max de screen sur le Discord des alliances de vos nébuleuses. Voir si une dépasse les 3 milliards, je suis curieux de le voir. Passons à présent à la puissance. Vous le voyez, je suis à 16 milliards actuellement au niveau des membres de mon alliance. J'ai la première place, peut-être plus pour très longtemps. Grunt est en train de bien pousser. Au niveau du centre de commandement, on va y revenir. Mon centre de commande, il est 22. Grunt a aussi le 22. Pitou, pareil. Charles, pareil. Ça coûte énormément de ressources d'arriver à ce niveau-là. On va le voir par la suite. Mais parlons puissance et donc comment faire pour augmenter rapidement sa puissance. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que la puissance va passer notamment par les recherches. Donc, il va falloir axer vos recherches, on y va tout de suite. Il va falloir axer vos recherches au départ, il va falloir délaisser les ressources, excepté pour les chapitres. Quand pour passer un chapitre, on vous demande bien évidemment d'aller faire une recherche en ressources, faites-le. Commandement aussi, développement, pardon, commandement en second plan au départ, après il va falloir aller dessus. Et militaire, moi c'est celui que je viserai en premier. Alors commandant, comme en développement, il y a quand même des arbres à aller chercher, des skills à aller chercher, des boosts de puissance de feu du vaisseau amiral, c'est toujours utile. Extension d'armes du spatioport, très très utile celui-là pour augmenter votre puissance. Fortification de puissance de feu du spatioport, bon il va falloir quand même le faire. C'est des recherches qui rapportent pas mal. Qui plus est en termes d'augmentation de puissance, donc il faut le faire. Vous avez aussi art du commandement, bien évidemment, hein, qu'il faut augmenter. Et après, bon, vous pouvez faire une pause une fois que vous êtes arrivé à art du commandement, vous pouvez délaisser un petit peu cet arbre. De l'autre côté, au niveau du développement, il y a aussi quelques petits modules qui rapportent pas mal, quelques petites recherches qui rapportent pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur cet arbre au départ. Bien évidemment, il vaut mieux aller sur l'arbre militaire après commandement et les autres quand vous avez le temps ou selon vos demandes. Pourquoi aller sur l'arbre militaire? Vous voyez, c'est celui que j'ai le plus développé, l'arbre militaire, car c'est là que vous allez aller chercher les niveaux de destroyer, passer au T1, destroyer, frégate, croiseur, passer au T2, destroyer, griffon, croiseur, phénix, croiseur, Nidog, croiseur, destroyer, Kraken, etc. au T3, au T4, au T5. Et c'est ça qui va grandement faire avancer votre puissance après dans construction navale. Si vous allez dans construction navale, vous constatez, j'ai 5 fils. Donc faites les recherches. Si je ne dis pas de bêtises, on commence à 3 fils. Faites les recherches pour aller chercher les 5 fils. Et faites les recherches pour arriver le plus vite possible au plus haut niveau de tiers. Hein. Comme vous le voyez, je suis tiers 7 et ça va jusqu'au tiers 10. Donc montez là-dessus à chaque fois, ce qui fait que toutes les 2, 3, 4, 5, 6 heures, je crois que je suis à 7 heures maintenant,
Vous avez 5 flottes qui sont libérées. Donc toutes les 7 heures, j'ai 5 flottes de construites. Et ça m'augmente ma puissance de façon assez importante. Regardez, est-ce que j'ai assez? Un vaisseau va m'augmenter de... Hop là, on fait une fin média. Un vaisseau m'augmente de 10 000. Donc toutes les 7 heures, je prends déjà 50 000 par ce système-là. Est-ce que j'ai suffisamment pour tous les finir? On va vérifier ça tout de suite. Tac, vous allez le voir, ça me fait un petit 50 000 tranquille, hein, sans rien faire. Hein, enfin, sans rien faire, à part avoir les ressources, bien évidemment. D'ailleurs, je manque de ressources. Donc ça aussi, hein, si vous le savez, hein, c'est le, je prends un petit coup de 500 000 comme ça, c'est réglé. C'est le gros problème, les ressources. Tout le monde est en galère de ressources. Et c'est là-dessus qu'il faut bien s'attarder pour bien monter vite. Donc l'autre tip, c'est n'oubliez jamais de renvoyer vos troupes. Faites en sorte d'avoir toujours 3 vaisseaux, si possible, hein, dès que vous le pouvez, avec suffisamment de capacité pour miner intégralement soit un astéroïde, soit une planète, en tout cas pour vous blinder. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le renvoyer très souvent. Vous pouvez vous absenter, les pusher et puis aller faire autre chose. Et d'ailleurs, n'oubliez pas également, je vais le faire tout de suite devant vous, d'utiliser les buffs, même le buff 1 heure. Regardez, le buff 1 heure, si vous ne le savez pas, par exemple, je clique sur 3. On peut se dire, ah mais 1 heure, je reviens que dans 3 heures, ça va être trop court. Je clique sur 3, je fais utiliser et tout de suite, il me propose 3 heures. J'ai 1 heure x 3, ça me met 3 heures. Ça n'existe pas dans tous les jeux. Le cumul des buffs comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, n'oubliez pas, relancez vos farms en boucle. Vous en aurez besoin pour augmenter vite de niveau. Donc, je récapitule la recherche et n'oubliez pas, donc, il faut monter les vaisseaux pour avoir le plus de fils possible et avoir le meilleur tiers possible. Ça va vous aider à augmenter rapidement votre puissance. Partons à présent sur l'équipage. L'équipage, c'est aussi un point très important. N'oubliez pas de monter régulièrement vos commandants et monter vos meilleurs commandants. Et surtout, ne dénigrez pas les petits commandants. Vous le voyez dans ma liste d'équipage, j'ai pas mal de commandants niveau 1, mais même s'ils sont niveau 1, regardez la puissance de ce niveau 1. 129 943, quasiment 130 000 de puissance. Tous mes commandants que vous voyez avec un niveau 1 là, 115 000. Vous le voyez, ils ont des belles puissances, 120 223. Donc, ils sont tous une très belle puissance. Pourquoi sont-ils mis, alors que j'aurais des commandants que je pourrais mettre qui peuvent paraître plus puissants, comme par exemple notre ami la Molly Meyer, voilà, Molly Meyer et sa magnifique robe. Donc je pourrais mettre Molly Meyer, mais Molly Meyer, elle ne me donne que 24 295 de puissance. Donc je l'utiliserai que si j'ai besoin de ces points de technologie, de combat, de logistique ou de commandement. Donc pour augmenter mon arbre ici, mais dans l'absolu, je préfère pour le moment la mettre au garage et mettre un autre commandant vert avec un tout petit niveau car lui me rapportera beaucoup plus en puissance et donc me fera monter artificiellement plus ma puissance. Donc n'oubliez pas de bien monter ces commandants, même les plus petits, ils peuvent vous être très utiles pour afficher une puissance supérieure. C'est vraiment très important de faire cela. Donc ça, je vous en avais déjà parlé et donc axez-vous vraiment dessus. On continue au niveau du centre de commandement. On va passer tout en revue, hein. Le centre de commandement, il est aussi bien évidemment très important, mais ça ne rapporte pas tant que ça de monter de niveau. Regardez, je suis actuellement en train de faire le nécessaire pour monter au niveau 23, lancer le niveau 23. Et regardez combien ça coûte, hein. 26 millions de titanium, 22 millions 7 de deutérium. Le nickel, 4,8 millions, le plasma, 1,9 million. C'est tout simplement énorme ce que ça demande et ça ne va pas me donner un gain énorme de puissance. Regardez, le passage du 22 au 23 va me faire passer de 825 000 en puissance à 969 000. Ça va me donner seulement 144 000 de puissance en plus. C'est pas énorme, hein, 144 000 si on compare ces 5 tournées de 5 vaisseaux. Donc c'est pas énorme vu ce que ça coûte, parce qu'avec les ressources que ça coûte, je pourrais en faire, hein, des petits vaisseaux, je pourrais en faire bien plus. Donc vraiment là c'est abusé, ça rapporte vraiment pas assez. Donc ne pensez pas que plus vous montrez vite vos structures, plus vous aurez une puissance affichée haute. C'est bien pour ça que si on regarde le classement de mon alliance, regardez, on retourne sur le classement, on retourne
sur... Non, c'est pas ici. On retourne sur mon alliance, les membres. Et si on regarde la puissance, vous le voyez, Caradrian, qui est en puissance le 3e actuellement, il a un centre de commande qui n'est que niveau 20. Car il doit avoir beaucoup de troupes ou bien upgrader ses vaisseaux, ce qui lui permet d'être bien positionné en termes de puissance. Donc vraiment, ne pensez pas que l'upgrade des bâtiments va vous donner un avantage de dingue dans l'affichage de votre puissance ou pour monter rapidement. Et surtout, montez en priorité uniquement les bâtiments qui sont nécessaires à votre évolution au départ du jeu. Donc regardez, pour monter le centre de commandement, je n'ai que le centre de défense à avoir 22 et le quai militaire à avoir 22 également. Donc, je me focus sur l'upgrade de ces bâtiments pour lancer le plus rapidement possible mon centre de commandement. Alors attention, il faut savoir que les bâtiments sont souvent linkés. Donc, pour monter le centre de défense, il va falloir que j'ai le centre de réparation et le centre de commandement au bon niveau, le centre de commande, pardon. Et que pour monter, par exemple, le quai militaire, il me faut aussi l'usine d'appareillage qui soit au niveau 22. Donc voilà, tout est lié. Ne pensez pas qu'on peut tout faire de manière indépendante. Mais certains bâtiments ne sont pas nécessaires tout de suite à l'upgrade. Donc, vous n'avez pas nécessité de les monter tout de suite. Focalisez-vous bien sur ceux qui sont nécessaires. Encore une fois, vous allez avoir besoin d'un max de ressources. On passe à présent au vaisseau amiral, donc ce qui est la fusion avec le dépôt d'appareillage et l'usine d'appareillage. On retrouve tout ici, surtout depuis la nouvelle interface. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. N'oubliez pas de bien affecter un commandant à chacun des vaisseaux. Vous le voyez, là, je ne l'ai pas fait sur tous, hein, mais il va falloir que je le fasse parce que ça donne un avantage au vaisseau. Et en plus, surtout si c'est un commandant qui n'est pas utilisé dans votre flotte. Hein, donc, ça va vous rajouter cette puissance à votre puissance globale. Par exemple, là, vous le voyez, j'ai 1, 2, 3 vaisseaux de libre. Je peux rajouter, si je rajoute 3 commandants qui ont chacun 100 000 de puissance et qui sont ni à garder mon spatioport, ni dans l'équipage de mon spatioport, ni sur un autre vaisseau, bien évidemment, eh bien, ça va me rajouter immédiatement 300 000 de puissance. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Ensuite, n'oubliez pas de tous les développer. Alors, pas de les faire monter en niveau, forcément, parce que les faire monter en niveau ne rapporte pas tant de points que ça. Mais n'oubliez pas de tous les développer en termes d'emplacement d'appareillage. Pour cela, il faut bien évidemment les modifier et non pas les fortifier. Si vous le pouvez, faites-le. Puis, par la suite, les équiper avec des emplacements d'appareillage. Et regardez, ils ont remplacé le nom machine à sous. Je l'ai signalé comme je vous l'ai dit. Je leur ai dit que le bon terme était emplacement d'appareillage. Et ils sont bien à l'écoute. Ils ont fait la modification pour tous les joueurs français. Donc, c'est vraiment très plaisant. Autant de réactivité. Donc, n'oubliez pas de bien upgrader même des canons à bobine, même du vert, du bleu, du mauve, tous les items que vous avez. Puisque de toute façon, même les verts, vous pourrez les mettre sur vos vaisseaux qui restent dans votre spatioport, qui ne sont pas utilisés. Et ça va vous permettre de monter votre puissance vraiment rapidement, même pour les vaisseaux inutilisés. J'insiste, certains ne connaissaient pas cette astuce. Vraiment, montez tout et équipez-les tous sur les emplacements d'appareillage, ça va vous permettre de monter très rapidement votre puissance. Est-ce que je peux vous le montrer en exemple ici? Par exemple, vous le voyez, hein, lui, je ne l'utilise pas, hein, ce vaisseau. Ça me sort à chaque fois, j'ai fait un misclick. Si je prends le Nemesis, je ne l'utilise pas. Pourtant, là, je dois pouvoir améliorer. Est-ce que je peux améliorer? Non, je ne peux pas améliorer cet item. Est-ce que je prends 3? Je dois pouvoir améliorer celui-là, peut-être améliorer. Non, vous voyez, je n'ai pas assez d'items pour vous faire la démo. Mais si j'avais pu l'améliorer, lui, peut-être, je peux l'améliorer. Non, ah non, je ne peux pas améliorer. J'en ai que 6 sur 30. Vous voyez, j'ai déjà tout claqué pour les améliorer. J'améliore toujours. Mais si vous l'améliorez, ça me fait tout de suite 10, 15, 20 000 points en plus ou 5 000, ça dépend du niveau. En plus, à ma puissance globale. Donc, vraiment, ce n'est pas négligeable du tout. Dernier tips, mais ça vous le savez déjà, pour la campagne, n'oubliez pas de vider le store à chaque fois et de prendre le croquis de construction du Prométhée pour monter la puissance du Prométhée. Et de l'autre côté, au niveau du croquis, du magasin de croquis, n'oubliez pas d'aller acheter régulièrement les plans pour le vaisseau amiral Hercule. Ça vous permettra d'augmenter votre vaisseau Hercule. Moi, j'achète les Hercules et le Hadès ici, c'est pour ça que j'ai peu de points, mais ça me permet de bien les faire avancer et de bien augmenter leur puissance. Voilà, n'oubliez pas que chaque fois que vous allez combattre, chaque fois que vous allez combattre, vous allez
perdre de la puissance parce que vous allez perdre des troupes. Donc faites un maximum de construction navale pour pas avoir trop de baisse dans votre puissance globale. Mais ça fait partie du jeu, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pensez bien que la recherche, c'est ce qui va vous permettre de monter votre puissance le plus rapidement. Entre les gains que la recherche va vous apporter et surtout la construction de T5, T6, T7, de tiers supérieurs, ça va grandement vous améliorer et vous permettre d'upgrader rapidement votre puissance. Pour finir avec la plateforme de défense qu'on a un peu zappée, la plateforme de défense, c'est super relou à augmenter. C'est super cher en ressources. Je ne peux pas augmenter plus, mais regardez le prochain niveau. Il me coûte quand même pas mal, surtout en plasma et en deutérium. Donc, ça paraît pas cher par rapport au reste, mais c'est quand même très cher à sortir à chaque fois. Pour un gain, si vous ne faites pas attaquer, qui reste très faible, mais ça contribue aussi à l'augmentation de votre puissance globale. Donc, ne négligez pas l'augmentation de vos tourelles de défense, même si vous le voyez, la puissance que ça donne, c'est pas énorme, mais c'est toujours un petit plus si vous avez au départ du jeu pas mal de ressources. Ça vous permet vraiment de continuer l'upgrade rapidement de votre puissance. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo de power leveling et rapidement. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.